si même plaisir dire que moi gagne un troisième acte que moi t'ai pas négligé. M'étais un petit gens réticent pour me soulever. Mais après des recherches, moi quoi troisième secteur ça li excessivement important. Et membres de GST qui situent, c'est-à-dire français qui situent, qui viennent enquêter, et membres FBI qui déjà entré dans le pays, s'y attendaient. Donc, je crois que ce troisième secteur est tout à fait important et même plus qu'important. Et moi, déçu, les m'a regardé avec qui rythme et qui niveau que opposition à pouvoir une petite raboule rouge sous l'autre pour dire c'est pouvoir et pouvoir dire c'est l'opposition. Il y a même une lettre en ce sens adressée à l'ensemble de la communauté internationale pour pointer du doigt les opposants au régime PHTK ou bien au régime de Jovenel Moïse. Moi j'ai dit également pour moi des leaders politiques qui ont dit yo ouais machine fixe là, patrouille fixe là, qui devant te déplacer le ça pour justifier ces pouvoirs qui fait. C'est honteux de voir dans un pays comme Haïti où il y a Lionel Trouillot, Lainé Curbon, Suzy Castor, bon, écoute, pays de Gérard Pierre Challa, pays de Leslie François Maniga, nous, pays de Michel Soukar, je dirais, de Fred Boutius, de Jean-Robert Hérard, de Gabriel Hérard, de Gary Victor, pays ça, et puis vous nous, c'est Mounsa Olbay comme politicien, député, sénateur, président, ministre, directeur général, etc. Des mounes qui, par exemple, réfléchit, qui pas connaît chaque temps ils ont parole, ça ça gagne comme conséquence. Il suffit d'accuser l'opposition, il suffit d'accuser le pouvoir. Et c'est un jeu de dupes qui se fait. Objectif principal, prendre le pouvoir. Aussi simple que ça. L'objectif, ce n'est pas de changer le pays, de changer la situation, on avait dit, difficile, misérable, dans laquelle vivote notre peuple. C'est pas ça qui est intéressant. C'est malheureux. Mais ce troisième secteur, c'est un secteur d'autant plus important que plus fort monde dans le pays au courant que Montferrier d'Orval, Val comme c'est pour ancien professeur Zamboun Palavel, Montferrier d'Orval avait une mission sacro-sainte. Les messieurs prennent poste, ils sont élus comme bâtonnier de l'ordre des avocats. Il avait annoncé à grande pompe qu'il allait publier la liste des gens qui se faisaient passer pour avocats et qui n'ont pas de diplôme. C'est ce troisième secteur. Des gens qui sont des avocats, des hommes les plus riches de ce pays, des gens qui gagnent des millions et qui n'ont pas de papier. Haïti débat, Haïti débat. Ce troisième secteur, c'est le secteur clé. Et personne n'est pas qu'à relayer là pour dire pas vrai, parce que des bouquets papier ou pas fait. Et tout nègre qui est riche dans le système là, et qui pas de papier, il est suspect. Haïti débat. Pourquoi ça qui est belle dans ce map dit? Nègre qui a un papier, il n'a pas relayer, il dit qu'il a un papier, non? Il n'est pas suspect. De vous n'avez pas papier suspect, parce que Dorval avait cette mission. Juste. Et M. Tabal publiait la liste des avocats. Des gens qui se faisaient passer pour des hommes de loi et qui n'ont pas de papier. Donc, ils sont les présumés assassins de Montferrier d'Orval. Quand Montferrier, comme je suis fils de Mahima et de Gérard Charles, j'utilise, n'est-ce pas, l'énergie de l'interpellation pour me faire moi parler. Et moi, le content. Et puis il dit, justement, Gary, tu as raison. Je m'en collais rien au pas ça fait. Haïti débat. Je m'en collais la petite la vérité calmement.
Donc, les politiciens de ce pays, toujours fixés pouvoir, là on est l'opposition, et pouvoir toujours soit défensif, il a catégorisé, on dit, c'est l'opposition. Et les autres, et le troisième secteur. Je dis à Mvindino, c'est peut-être ça, mon fils Doval, qui peut le permettre de nous joindre. Vrai froid, démocratie. Moi, je suis peut-être, même j'aime des équipes, mais qui était fâché. Tout le monde qui mourit, soit Aristide, c'est Aristide qui tue. Parce que depuis le pouvoir, pas arrêter personne, le pouvoir est responsable. Si Jovenel pas arrêter le monde qui tue mon frère, c'est le pouvoir Jovenel actuel. Aussi simple que ça. Mais c'est après qu'on est. Le assassinat fait sous Titide. Et vous voyez arrêter le monde. Et vous voyez, mon n'a pas aucun rapport avec Titide du tout ou bien avec pour la balassa. Laissez-en saisir et vous dites ça qui passe. Et mes mêmes gens, avocat gris gros gorge qui a parlé tout le temps, qui se faisait passer pour des puristes qui ont étudié en France, etc. Ils n'ont pas de papier. Donc, mon frère Doval, tu n'as pas la ville dans la société. Tu n'as pas le météo dans le rôle. Et n'est-ce pas un contrat ou pas tout. Il y en a l'État, il y en a le secteur privé, ils sont les avocats des hommes les plus riches. Et n'a pas un monde arrogant comme ça. Mais ils sont pour la plupart richissimes. Eh bien, ils ont la force également de la violence. Donc j'évite les autorités de mon pays. J'évite les structures organisées de ce pays à réfléchir un petit moment sur ce secteur. Je ne dis pas, je ne dis que ce n'est pas pouvoir, je ne dis que ce n'est pas l'opposition. Attention. Mais j'ai dit également qu'on a le troisième secteur, qui sont les uns, ce qui se faisait passer pour des hommes de loi, et que M. Tabal mettait bas ça. Bon, mon Mexico, pays à patate qui ça. Tellement de nègres qui connus, qui n'ont émission toute la journée, qui a parlé, qui a plaidé, et puis qui n'ont pas de papier. Donc, ce sont un indice clair qui montrait que c'est de ça qu'il faut vous contrôler. Val, jeune avocat, pour préparer, je ne connais pas si tu es préparé. Pas de papier, pas de papier. Pourquoi pour papier là? Non, bon, moi commence à gagner. Et généralement, Gary, gagne traçabilité parce que l'on a nos facultés. Non seulement gagne note, mémoire pour déposer, etc. Bon, tant que si on nous le dit, là, on m'a dit mémoire en sciences politiques. Donc, je suis baoulé parce qu'il est là. Est-ce qu'on comprend? Et souvent, des notes, dossiers que je fais maîtrise, je suis baoulé. Vous levez des notes que je fais droit, je suis baoulé. Bon, car ils sont payés comme ça, ils sont payés des bluffs. Et ils ont payé tout côté que. Et c'est le concept qui vient de pas gagner sens. Et la vie pas gagner sens, puisque justement, mon société côté que. Et production humaine que gagne, qui arrive au pouvoir. Et il n'y a pas de vision, généralement c'est qu'on s'allie. La question de la sécurité, je dis, nous, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? Et donc, on n'a pas qu'à parler des questions de sécurité. Et l'on n'a pas parlé des questions de sécurité, vu l'importance de l'élément dans la société, dans le fonctionnement, ou presque, qu'a dit tout, l'État presque inexistant. Parce que justement, sécurité a son les dimensions transversales. Et si on regarde ce qui s'est passé, je dis à hier, Miller, de monde que l'État a une obligation. Et c'est la question de sécurité, c'est un élément qui fait partie de la fonction régalienne de l'État. Eh bien, Mounzaïo, de gang, de monde qui est armé dans le pays à cause de faiblesse de l'État, eh bien, moun sa yo pa ka vivre paisiblement. Donc, son situation comme ça. Et moi, je crois que Gary,
bataille, nous fait la foc, nous continuer avec tout l'autre monde qui est dans la dynamique pour que justement nous vivions. Et on l'état à côté que la notion de vie a bon sens, la notion de sécurité a bon sens, la notion de bien a bon sens, vous comprenez? Et voilà. Mais penser tout ça et demander, il y a un groupe d'hommes et de femmes qui ont l'autre vision des choses, qui ont le sens de l'état, puisque moi-même, je vous dis, et l'état, c'est une entité spéciale qui a une gestion spécifique, une gestion qui ne prend pas lui-même. Donc, si certainement, au moins les profanes, nous sommes dans l'État, eh bien, on met quand même que l'État lui-même ne peut pas marcher. Parce que l'État, on apprend à gérer l'État. C'est ça, c'est la chose publique. Donc, moi, je pense que, fond de bataille dans le pays, ça, pour gagner notre société, le nègre qui ne croit pas tout, c'est bluff. Le nègre qui croit dans la nécessité pour faire effort, pour ne pas au coup, et pour que. Donc, justement, les gonnes qui disent les gonnes niveaux pour ne pas gagner en suspicion d'elle. Et moi, je pense que ces sociétés, ça pour une bataille pour lui. Et la bataille, là, il en fait jusqu'au bout. Nous voilà, fait jusqu'au bout, mais pendant la fête, il faut respecter les normes et les principes. Et faut nous éviter les gens qui sont capables de faciliter la réflexion sur la question de sécurité. Il faut nous parler plus. C'est sur le pays moins. Bon problème qui posait. Toutes nos vices pour radio et télévision à Paris. Exactement. Tout honnête. Tout n'est qui n'est politique. C'est eux, oui, qui parlent. Et puis spécialiste, c'est question qui a parlé. Les moins foutent ça. Et puis je me dis qu'il faut me corriger ça. Et c'est pour ça que m'a fait correction ça aujourd'hui. Et m'inviter, docteur. Il a de parler avec nous, nous attendons des paroles qui peuvent parler là. Mais avant de poser, présenter les membres du bail, lorsque vous ouvrez un magasin, pour exister, il faut payer gang ou bien payer la police. Lorsque vous êtes de l'aéroport, vous payez gang ou bien payer la police, qui est une unité spécialisée. Et bah, il faut mettre là. Informel. Le bagaille informel. Ça veut dire, l'État pas qu'on est, autorité. Et guider leur autorité qu'on est. Lorsque Badelma, il faut payer gang, ou pas même payer police. Parce que si vous payez gang là, ou pas payer police. Parce que police pas descendre pour. Lorsque nous avons tabac, il faut payer gang. Si vous avez deux ou trois policiers, deux ou trois policiers qui sont avant, ne pas prêter parce que gang mauvais. Il y a gang de tout, il y a un magistrat, il y a tout le monde. Là, dans Pétionville, par exemple, les policiers n'est allé. Tout le monde qui est riche, il y a des policiers avec eux. Qui est pour faire patrouille à caillou, qui est pour sortir avec eux, qui est pour carrer n'importe qui là. Et la société a d'accord ça. Donc, nous avaliser gang et nous participer à la destruction de la police nationale. Et ceux qui sont à la tête de cette institution, ils sont, pour la plupart, toujours au courant. Parce qu'il y a des gens que vous devez protéger en société, ça. Fort de ces considérations, comment voulez-vous que les gangs ne se prolifèrent pas? Puisque le chef de gang qui, dans la zone tabac, chef de gang qui, dans la zone La Saline et aéroport, ça y'a qu'on est, businessman a baillé chef de gang dans le corps, l'a occupé, il voit un corps à lui manger, etc. L'autre petit gang, lui-même, il a assisté. Le monsieur besoin prend quoi? Il prend volume, dimension, là il fait pâle, et il vient à l'écouter, même chef ça. Si chef ça, pas vlé, balle même moyen, l'attaquer chef ça, ou du moins si moi les gros chefs là, tout y est pitié, parce que pitié a besoin de remplacer. Donc, nous avons des commerçants qui sont des gangsters et qui se font passer pour des gens respectables et respectés. Ils ne sont pas respectables, ils ne sont pas respectés. Moi, j'ai un ami qui fait partie du secteur privé des affaires. Il n'a jamais soutenu des gens armés illégalement.
il utilise l'institution policière, le grand problème, les autorités, ils disent grand problème, des bagages comme ça. Les gangs viennent demander, depuis ces gangs où il est, monsieur va occuper, il va observer. Mais là, ils sont malheureux. Qui viennent, qui disent grand problème, monsieur a bon moyen, il a bon tout le bagage. C'est une exception. Les chefs de gang sont toujours protégés par des gens riches dans ce pays. Maintenant, les chefs de gang sont également protégés par les politiciens qui sont au pouvoir. Président, premier ministre, ministre, tout le monde est honnête, protégé, bandit, armé. Il n'y a jamais protégé la police parce que la police n'a pas un moyen. Jodia, on accuse, à tort ou à raison, le pouvoir en place. Justement, parce qu'il n'y a jamais eu d'opération contre X. Maintenant, qu'on y a une opération qui fait contre X et Y, qui c'est gang qui travaille pour l'opposition, soit pas le fait contre lui. Donc, Yodzou, il y a des gangsters qui là, c'est pour l'équilibre des hommes de non-droit. Mais qui paye une vie, mes amis. Mais qui paye une vie, l'équilibre des hommes de non-droit. Donc, il faut attendre nous à des problèmes de l'air. Si un chef de gang ne veut pas collaborer avec un autre chef de gang puissant, il marche prendre. Mais elle peut prendre territoire. Mais là, le territoire là, il a besoin plus l'argent, il a besoin plus cob. Et la plus importante pour les politiciens pour l'utiliser. C'est pas si bagaille, puis si qui a passé là. Moi, je suis en train de faire de petites analyses. Parce que je ne suis pas un spécialiste de la sécurité publique. Le spécialiste est là. Son nom c'est Yves. Yves, bonsoir, quel plaisir. Gary, mon cher, c'est extraordinaire. Et bonsoir Gary, bonsoir à toutes les metteurs en audio, justement. Et moi, je suis en pile pour l'invitation. Hein. Et me profiter du même coup pour me saluer toutes fidèles auditeurs de l'émission Haïti Débat et surtout toutes internautes. Et je ne vais pas cacher le Gary, je vais attendre l'invitation. Hein. Et je crois que nous dérapons là. Et que nous pouvons nous tendre. Grand pile bague, Badi. En pile bague, Badi. En pile bague, Badi. Mais faut surtout, moi, je vois un WhatsApp d'une personnalité importante de la République. Parce que là, moi, je poste l'invitation là, je dis que je vais venir. Et puis, mon nom écrit. Mais mon écrit, non, il a le droit d'écrire ça, je dis là. Ok. Il dit, tout chef de gang, au courant qu'on prend l'émission et on prend le tadé son bradi. Que moi-même Mouna, Mouna qui doit écrire ça. Parce que Mouna qui a des missions que le gagne pour le faire par rapport à chef de gang. Donc chef de gang, non, on t'avait dit, non, regard croisé, abtenne son bradi. Mal, dit ça, vous plaît, non? Non, mon cher, hein? Non, c'est-à-dire que moi-même, l'homme parle, c'est science langue parler. On ne va pas parler contre personne ni pour personne. C'est exactement les exigences de science là. Et que moi, et mettez dehors pour tout entendre. Donc, on ne va pas gagner pour me punir. Première question. Est-ce qu'il y a vraiment des chefs de gang dans ce pays? Et premièrement, Gary, ce que me dit à maintes reprises, nous classer question de gang là. Non dimension que le barrière. Premièrement, et que je n'ai pas besoin de côté de ça, et que il y a une démarche qui était faite, ou du moins une démarche qui était faite, puis on était capable de recenser qui quantité de gang qui gagnait dans l'aire métropolitaine surtout. Et il était arrivé à parler de des centaines de gangs. C'est faux. Et que tout le groupe de bandits par gang. Ah bon? Non. Tout une différence énorme entre un gang avec des petits groupes de bandits. Et c'est deux bagailles qui sont très différents. Un gang, c'est pour un petit bagaille petit. Son organisation de malfaiteurs très bien organisée et qui dotée Ntado de plusieurs types d'influence, influence politique, influence économique, influence sociale, même influence professionnelle. C'est ça qu'on gagne. Parce que c'est un bagage qui est bien organisé, bien structuré, mais de malfaiteurs. Gagner des obligations que groupe de monde a faites pour le gagner, pour le capable de classer
dans la gang. Par exemple, pour son gang, et que ou besoin, premier bagarre ou besoin ou espace géographique qui répond, ou besoin espace géographique qui répond avec m'dado consacre dimension gang. C'est-à-dire que au monde qui gon gang,